Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et on continue la carrière sur FIFA en carrière manager. Je me suis rhabillé en costard cravate. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à mettre code plus, à liker la vidéo. Je vais vous montrer l'équipe que j'ai faite. Normalement, on joue comme ça. À droite, il devrait y avoir Mohamed Salah. Mais il est blessé. On a une petite équipe qui est plutôt pas mal. Vu que je joue avec pressing constant, il faut que je rachète une équipe clairement parce que mes joueurs sont fatigués à la mort. Ils jouent toujours, j'arrive à la mi-temps, ils sont tous dans le rouge, ils vont mourir. Donc je vais racheter des joueurs. Il n'y a pas encore le mercato, du coup on va remettre dispositif le 4-4-2 que j'avais mis là parce que j'ai plus que deux attaquants. Ah, quoique je pourrais faire ça en vrai. On est moins dans la largeur, mais je pourrais faire ça avec Mohamed Salah, De Bruyne, Kanté là-bas du coup à son vrai poste, Kanté. Et on va mettre un milieu. Il n'y a pas un milieu central là? Ah, il y a un milieu gauche. On n'est pas trop mal là. Et il est blessé pendant 3 mois, je crois. Mohamed Salah, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Voulez-vous garder? Oui. On va voir un peu les joueurs que j'ai voulu acheter. Donc on va aller dans accueil de transfert. J'ai acheté Léo Messi et Vinicius. Donc ils sont achetés, c'est good. J'ai perdu tous mes sous, c'est sûr, c'est bien fait. Sauf que je ne les ai pas encore parce qu'il faut que j'attende le mercato d'hiver. On est en novembre, je crois, donc ça va pas tarder à arriver. Pour enfin la Ligue des Champions. Donc nous, on est dans le groupe G de la Ligue des Champions. On est avec le Borussia Dortmund et Manchester City et FC Copenhague. Et on les éclate, clairement. On a tous joué et je suis premier avec 7 points. On joue phase de poule et cette fois-ci, on joue à domicile. Le World Stadium, c'est mon stade, donc on est à la maison pour ce match. On va faire la petite conférence de presse avant le match. Regardez-moi ce beau gosse, il ne me ressemble pas. Bon, il parle en anglais, donc je comprends rien. Un résultat négatif dans votre prochain match pourrait entraîner votre élimination. Pensez-vous pouvoir éviter ça? Éviterez-vous l'élimination? Ben, bien sûr que non, les gars. Nous en sommes capables, les gars. On va pas se faire éliminer, là. Ça y est, on peut pas perdre. On va gagner. Je joue en pro. La difficulté, c'est pro. Donc, est-ce que, à voir, si la prochaine épisode, je joue en champion? Je sais pas encore. Allez-vous faire confiance à des joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement? Des changements possibles, tous mes joueurs sont importants, tous mes joueurs donnent leur maximum. Non, non, tous mes joueurs sont importants, les gars. Chaque joueur, même les remplaçants, même les réservistes, c'est hyper important. C'est bon? C'est la dernière question. Bis Repetia pour FC Cam. Je pense que oui. L'histoire peut se répéter. L'histoire peut se répéter, les gars. On fait que gagner. J'ai pas perdu un seul match. Le premier match de Ligue des Champions de poule, j'ai fait 3-3 avec Manchester City. C'était mon seul match lequel j'ai perdu. On n'a même pas perdu, on a fait égalité. Mais c'est le seul match que j'ai perdu. Vous voyez, ils sont jamais à fond mes joueurs. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Allez, c'est parti. Premier match en Ligue des Champions. Normalement, je pense que on va peut-être jouer la Ligue des Champions. Oh là là, ça fait bizarre de jouer. Et le premier but, voilà, le joueur français, tout de suite, qui met les devants et qui marque ce premier but. C'est qui? C'est Silva qui a marqué? On revoit cette action magnifique, la passe lobée. Petit retournement et la petite frappe en finesse, second poteau, dans le petit filet, ça marque et ça fait but. C'est qui? Bernardo Silva, bien sûr, le joueur français. Pas du tout, je sais même pas, je crois qu'il est anglais, Bernardo Silva. Et Neymar. Neymar, c'est hyper dur de jouer avec lui. Oh là là, oh là là, la passe à Neymar, directement. Neymar pour le petit filet, et le but de Neymar. Ouais, trop facile, je pense qu'il faut que je me mette en champion, les gars. Je mène 2-0 à la 4ème minute, c'est quoi ça? On est où, là? On est clairement où? Moins 2. Moins 2, y'a pas bon, là. Kanté, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Au con, je pense. C'était l'arbitre. Je faisais une passe à l'arbitre. Et Kylian Mbappé qui va lancer Hakimi. Hakimi dans l'axe. Oh là là. Andy, qui va faire Silva encore. Kylian Mbappé. Seul dans l'axe, cette fois-ci. Kylian Mbappé, la faute, monsieur l'arbitre. Faute. Il l'a tué. Carton jaune, bien sûr, mérité le carton jaune, mérité. Je vais pas les tirer. Neymar. Vous savez quoi, regardez. Je vais faire le genre, je vais les tirer. Oh, oh mon dieu, je le mets. Hein. Oh non. Fin de ce match, on est premier de notre poule de Ligue des Champions, les gars. On va faire l'interview d'après-match. Alors que vous étiez les favoris, pensez-vous que FC Cam avait intimidé votre adversaire? J'ai aucun commentaire. Ouais, il a bien joué, en vrai. Mais rien ne nous arrête, les gars. Il a bien joué, mais rien ne nous arrête. Ce qui s'est passé en seconde période, on mérite ce résultat. Ils nous ont pas facilité la tâche.
On est tourné vers notre prochain match, les gars. On est tourné directement vers notre prochain match. Et ils n'ont pas parlé de joueurs, je pensais qu'ils allaient parler de Neymar. Mais en fait, non. Non. On est en novembre 2022, petit jour de repos, entraînement, repos. Et on va jouer notre match à domicile. Voilà quoi. Ah, le chat joueur. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs sont appelés en sélection, d'accord. Et les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Bien sûr que si, on va te mettre sur le banc pour le prochain match. Je sais qu'on parle beaucoup du poste que vous m'avez confié. Je tenais à vous dire que je suis prêt à tout pour vous, pour nous faire gagner. Je suis aussi content d'évoluer à ce poste buteur. Si ça fait partie de votre stratégie, tu peux être encore meilleur, Neymar. Il faut que tu le sois. Avec ta patte droite, il faut que tu mettes des gros enroulés lucarnes magnifiques. On est d'accord que le mercato, c'est en décembre, le 1er décembre, non? Ou alors c'est le 1er janvier. J'aimerais bien que ce soit le 1er décembre parce que là, vraiment, il faut que j'achète des joueurs. Laissez un commentaire pour me dire quel est le meilleur milieu central possible à acheter et que j'ai pas encore. Ce qui est très important parce que j'ai besoin d'une équipe incroyable. Bernardo Silva. J'ai besoin d'une équipe ouf. D'ailleurs, je vais essayer un truc. Regardez ça, fait par des professionnels. Ne pas reproduire chez vous sous peine de blessures très graves. Oh, oh, j'ai failli le marquer. Mon œil marque là, les gars. Je parle, j'essaie de me concentrer pour marquer. Je vais me concentrer, on va marquer. On parle plus, concentration. Et voilà! Voilà, le joueur français! Il est là, il est présent! Non, j'ai même pas vu que c'était qui avait marqué. C'est allé beaucoup trop vite. Non. Oui, mais je veux pas te cacher tout autre truc que tu dois tout couper, quoi. Mais non, je couperai pas tout. Bernardo Silva, la frappe et le but. Champion Bernardo Silva, papa, 35e minute, le 2-0. Inarrêtable, FC Cam, inarrêtable. Et nous sommes les premiers. Kevin De Bruyne, tout seul Kevin De Bruyne qui se retourne. Qu'il a fait à Bernardo Silva, et Silva qui va frapper, facile pour Bernardo Silva. Pour avoir une toute nouvelle attaque, Neymar Junior, qui met le quatrième but. Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre, bien sûr, il y a faute. Et le coup franc bien donné pour Neymar Junior. Allez, un beau coup franc là de Neymar. Ah non, mais oui, je l'ai plus, c'est Mbappé maintenant. Un coup de pied arrêté, Mbappé. Oh là là, c'est mon premier coup franc. Incroyable. Allez, trop facile. Prochain match, les gars, 6-0. À domicile, on a mis 10-0. Ça calme beaucoup. Bravo. Bravo à tout le monde. On a mis 10-0 en 90 minutes, 92 exactement. Mbappé, bien sûr qu'on va parler de lui en interview après match. Les performances de Kylian Mbappé qui signe un triplé. Mbappé est un modèle pour toute l'équipe. C'est magnifique. Mais on va gagner, mais les gars, on va gagner. On peut aller jusqu'au bout. On va aller tout au bout de cette Liga Santander pour gagner tous les matchs. Quel est votre sentiment après cette belle victoire? Nous sommes irrésistibles, les gars. C'est incroyable. FC Cam. Merci beaucoup et bonne journée. Je suis satisfait du temps de jeu que vous m'accordez. Merci beaucoup. Théo Hernandez, tu me fais plaisir. C'était le mot. Tu me faisais plaisir, Théo. Qu'est-ce qu'il a, lui? J'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Une bonne influence. J'aurais dû lui dire continue comme ça, mec. Bon, celui-là, on se retrouve pour le match de Ligue des Champions. Ok, là, on joue un gros match de Ligue des Champions. On pense se qualifier, les gars? Bien sûr. C'est juste normal qu'on se qualifie. On a 10 points. Faut qu'on se focalise sur notre défense. Non, on s'en fout de notre défense. Faut qu'on marque, les gars. Faut qu'Mbappé y mette un triplé, c'est pas compliqué. Comment allez-vous préparer le prochain match? Il faut faire des changements, effectivement. Ah non, oh non, j'ai insulté mes joueurs. C'était pas ça que je voulais dire. Allez, on joue ce match. Manchester City, FC Cam.
On est à domicile en plus de ça et on joue avec une très très grosse équipe là pour le coup. Oh là là, ce vestiaire est magnifique. Regarde ça, Kanté, De Bruyne, Mbappé. Magnifique. Il n'y a pas plus beau vestiaire que ça. Il manque un petit Haaland en vrai de vrai. Et regarde le numéro 9. Il nous avait mis un peu tarif la dernière fois Haaland. Là on va essayer de tout donner pour gagner. On va se concentrer un petit peu. Et Achraf Hakimi directement à Kevin De Bruyne. Oh, y'a faute, y'a faute, il me tue, carton rouge. Allez, vire de là, il lui a dit vire. Oh non, moi j'ai tellement cru, non, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. Et là maintenant, il faut envoyer à Mbappé, qui est seul face au gardien. A chaque fois c'est la même chose, mais il y a Kevin De Bruyne qui est derrière et qui marque ce but. Premier but contre Manchester City, let's go! Oh là 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 là, magnifique! Magnifique! C'est qui Mbappé? Oh là 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 là, cet extérieur du pied droit qui va directement en lucarne direct. Oh non, Haaland, seul. Ah non, non, je me suis jeté en plus. Oh là 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 là, non, je me suis jeté, j'aurais pas dû. Ok, il a eu un peu de la chance, Bernardo. Hop, on se retourne et là on frappe. Et là il y a but. Mbappé irrésistible. Magnifique Mbappé. Ce magnifique but. Kylian Mbappé. Us. Oui. Allez Kylian, t'es premier. Voilà, là tu récupères le ballon. Là tu me fais plaisir là. De Bruyne. De Bruyne qui la refait Mbappé. Mbappé qui pousse et qui met ce but. Allez, let's go. Plus que 2 minutes et on gagne ce match contre Manchester City. Voilà. En Ligue des Champions. On a notre place. Faut qu'on la gagne la Ligue des Champions, c'est pas compliqué. Oula. Bougie, mais voilà, c'est gagné, les gars. Peut-être qu'on va mettre un but en temps. Non, peut-être. Campion. Terminé premier de votre groupe. Ça y est, c'est fini. La prochaine fois, on fera des vrais matchs, des matchs à élimination directe. C'est mérité. Bien sûr que c'est mérité d'être premier, les gars. On a gagné tous nos matchs. Mbappé, qu'allez-vous dire par rapport à ses performances? En effet, Mbappé était tintincelant. Non, c'est... Wow. Intincelant. Bref. Il était étincelant. Ah, voilà, étincelant. Bien sûr, le Manchester City, ils ont été surpris par nous. On leur a mis 5-1. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est toujours en novembre. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve pour le 3e épisode la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à liker cette vidéo, à la partager. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!